Merci. On attend la licence justement pour pêcher dans les eaux anglaises depuis 9 mois. On essaye de tenir justement. Mais là, on arrive au bout du tunnel, qu'on n'arrive pas à... On perd de l'argent, on travaille à perte. Donc j'ai mis à vendre et j'attends pour signer un compromis de vente. Bah, l'espoir, on l'a toujours. Justement, on attend, donc l'espoir, on l'a. Après, tout ce qui est mesure de rétorsion, les Anglais sont assez têtus, donc ils lâchent pas prise. Donc on met un peu de pression, on essaye de mettre un peu de pression, mais vaut mieux rester amical et puis trouver un compromis, un accord, quoi. Que si on commence une guerre maritime, on n'en finit pas, quoi, on n'en finit pas. Il faut trouver un accord commun. Ouais. Lundi. Alors aujourd'hui, normalement, on était censé pêcher le bar, mais à cette période de l'année, le bar, il est en train de faire ses réserves de graisse, il se nourrit et à cette époque de l'année, il repart au large. Donc il vient sur la côte se nourrir et il repart au large. Là, on est dans une période où il repart au large. Donc il se fait de plus en plus rare ici et normalement, dans une année standard, on le suit, on continue de le traquer et on arrive au final dans les eaux britanniques pour continuer à le pêcher. Là, cette année, ben, on le regarde repartir et puis on est là les bras croisés côté français. Et ça a été pareil avec la sole, ça a été pareil avec la raie, ça a été pareil avec les turbos. Là, c'est les barres. On est coincé côté français. On ne peut pas survivre si on reste côté français.